Bonsoir, ce vendredi était très nuageux dans le nord du pays, mais toujours ensoleillé et printanier dans le sud. On est même monté jusqu'à 22 degrés dans certaines localités du département de l'Hérault. On notait également près de 21 degrés à Perpignan et plus de 19 à Bordeaux. Et puis je voulais vous montrer cette carte qui résume les cumuls de pluie tombés depuis le 1er février pour constater rapidement qu'il n'a quasiment pas plu au cours des 17 derniers jours. Et d'ailleurs, on peut même remonter jusqu'à la mi-janvier puisque cela fait plus de 4 semaines consécutives que les pluies se font plus que rares en France et ça commence à être problématique. Demain, les nuages vont dominer sur une bonne moitié nord en cours de matinée avec 2 ou 3 bruines pour les régions les plus septentrionales. Le soleil est toujours présent dans le midi mais des nuages pour la côte d'Azur et pour les littoraux corses. Dans l'après-midi, ça restera bien ennuagé dans une bonne moitié nord. Quelques bruines possibles pour les régions situées au nord de la Seine. Dans le sud, un temps sec et très ensoleillé avec encore quelques nuages pour la Côte d'Azur et pour la Corse. Les températures restent contrastées ce samedi matin. Sous la grisaille d'une bonne moitié nord, il fait déjà très doux dès l'aube, mais dans le sud, avec le ciel dégagé, quelques petites gelées sont possibles localement. Et dans l'après-midi, en revanche, la douceur est présente partout. Il fera en moyenne 10 à 14 degrés dans la moitié nord et souvent 15 à 19 dans la moitié sud. Dimanche, c'est un temps nuageux qui va dominer avec quelques gouttes attendues dans les régions du nord-est. Le soleil toujours pour les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, avec une petite baisse des températures, mais ça restera bien doux, avec 12 à Paris, 14 à Nantes et Lyon, et jusque 21 degrés pour Perpignan. Le soleil va regagner du terrain pour lundi, avec le matin pas mal de brumes et de brouillards, mais dans l'après-midi, le soleil va prendre l'avantage, sauf sans doute entre la Manche et la Belgique, avec des températures qui seront froides le matin, mais très douces et printanières l'après-midi, 14 à Paris, 16 à Tours, 18 degrés pour Limoges, et 20 degrés dans le Pays Basque. Encore un temps très doux prévu pour la journée de mardi, avec un soleil dominant, bien que de plus en plus voilé au fil des heures de la journée. Et puis à partir de mercredi, retour des nuages et sans doute de quelques averses. Elles pourraient s'étaler sur de nombreuses régions. On a besoin de pluie, comme je vous le disais au début du bulletin. Il pourrait pleuvoir aussi jeudi entre le sud-ouest et les régions de l'est notamment. Retour d'une ambiance fraîche et de la neige en montagne. Et puis sans doute encore quelques ondées vendredi, surtout dans l'est. Mais notez que la fiabilité est tout de même médiocre. On en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on va terminer ce soir dans le département de l'Ardèche où on a eu une belle journée de printemps. Ici, un beau panoramique sur la commune de Tournon-sur-Rhône. On observe d'ailleurs le Rhône, température de 19 degrés cet après-midi sur cette commune. Demain, nous serons le samedi 18 février et nous gagnerons encore 3 minutes de soleil. Bonne soirée à tous, excellent week-end et à demain.